又是你 Saba， 欢迎。那今天呢 Saba 跟我跟大家要教大家一个词，学校 ，école。école 是学校的意思。那我们今天会就法国的学校系统，还有法国的学校教育，所有的这个跟学校相关的事跟大家来分享和交流一下。Chez nous, l'école c'est obligatoire de 6 ans à 16 ans. Chaque étape, ça fait combien d'années? Donc, la maternelle, on va y passer environ 3 ans. 3 ans. Le cours primaire, on va faire CP, CE1, CE2, CM1, CM2, donc 5 ans. Mm-hmm. Je crois que c'est comme vous. Après, le collège, on va faire 6e, 5e, 4e, 3e, c'est 4 ans. Mm. Et le lycée, ce sera 3 ans.那也就是加起来一共是不算幼儿园的话是十二年的义务教育是吧？十二年哦，中国好像是九年义务教育，什么随便啊，刚刚也得要 école primaire, je vais on est des soixante, grande classe. Nous, même en maternelle tu peux être beaucoup moins, en maternelle tu vas être 15.Et après en primaire, en général, c'est plus 20-25. Wow. À la maternelle, ce qui est génial, c'est que c'est, tu fais du dessin, tu fais de la musique, des choses comme ça. Donc ça, c'est sympa. À l'école primaire, bah, tu commences la lecture, le calcul, un petit peu de mathématiques. Mathématiques. C'est loin. je pense que c'est un peu comme vous, oui, la musique, le sport.Le sport, le dessin aussi. Ok. Et après, après bah, au collège, c'est là où tu commences à avoir plein de professeurs. Et après, quand tu es au collège, tu as un professeur par classe, par sujet. Par sujet. Okay. Et là, tu as du français, tu as de l'anglais. Mm-hmm. On commence l'anglais en sixième. En sixième, ok. Et des mathématiques, de la physique, de la biologie. Plein de choses comme ça. Chimique.Chimie. Oui, je sais, en fait, en France, on n'a pas besoin d'habiter dans l'université, en fait. Ah non? Oui, parce qu'en Chine, les étudiants, on doit habiter dans l'université. Ah bon? Oui, on a des dormitoires. Mais je ne sais même pas si y a des cités autour, il y a des bâtiments autour, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Ah oui, c'est une grosse différence. Oui, voilà. D'accord. Au niveau de devoirs, est-ce que vous avez beaucoup de devoirs, homework à faire? On trouve qu'on en a toujours de trop, ça c'est sûr. Mais je pense que non, on n'en a pas beaucoup, beaucoup. Il y a même des écoles qui font maintenant, qui ne donnent plus de devoirs du tout. Ah, tu oui? dois tout faire à l'école. Ah, oui. Tu peux passer une heure de plus des fois à l'école, ce qu'on appelle l'étude, mm-hmm. pour faire tes devoirs, mais quand tu rentres, tu n'as plus rien. D'accord. Donc tout ce qui est primaire, en primaire, tu n'as pas beaucoup de devoirs. Au collège, tu en as un peu plus. Mais c'est pas. Je pense que par rapport à la Chine, c'est pas beaucoup. Ok. Et puis pour les vacances, c'est la même chose, le même temps, période de vacances. Nous, on a de la chance, on a plein de vacances. Nous, en fait, en début d'année, on va avoir. C'est par deux semaines souvent. On a deux semaines en février pour aller au ski, les vacances d'hiver. D'accord. On a deux semaines en avril pour Pâques. On va avoir encore une semaine au mois de mai. et après, il y a les grandes vacances. Donc, au 1er juillet, en général, tu finis l'école et tu y retournes au 1er septembre. D'accord. Donc, on a deux mois de vacances. En plus, je sais, chaque enfant français, ils ont un sport préféré. C'est oui. ça, hein? C'est on depuis commence quand... le sport très jeune, ouais. Depuis quand on commence à choisir un sport, vers 3-4 ans, tu commences déjà? À faire du sport. Plus, après, tu en fais toutes les semaines à l'école. Mm-hmm. Et en général, tes parents, ils t'inscrivent à partir de 3-4 ans pour commencer à faire du sport. Donc souvent, les petites filles, ça va être de la danse et de la gym. Et pour les garçons, ça va être du football, du basket, des choses comme ça. Merci à toi, Sam. École. 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 Ce moment